Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 17 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, vous allez répéter trois fois ces trois phrases que je vais vous dire là maintenant. Merci, mes anges, de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci, mon cercle de lumière, de me guider dans mon chemin de vie. Merci, mes anges, de me rappeler votre présence. Alors, je voudrais vous rappeler que nous avons trois anges d'incarnation. Nous avons notre ange physique qui est familièrement dit notre ange gardien. Nous avons notre ange émotionnel. Et nous avons notre ange intellectuel. J'ai pigé se respecter pour être respecté. Waouh ! S'aimer pour être aimé. Ça va certainement parler à certains d'entre vous, probablement. Et c'est le deuxième chakra, c'est la couleur orange. Il se trouve en dessous du nombril, près de l'os pubien. Et ce chakra, il est le centre de nos émotions et de nos pulsions et parle de notre rapport avec les autres. Lorsque ce chakra est harmonieux, qu'il est dans l'alignement avec les six autres chakras, il indique une bonne gestion des émotions et une très belle vitalité saine, mais aussi et surtout un niveau de confiance personnelle stable qui fait accéder à un rapport harmonieux avec les autres et à la faculté à prendre du plaisir. Vous êtes adapté à la mouvance de la vie avec spontanéité et joie. Par contre, lorsque ce chakra est déséquilibré, qu'il n'est pas dans l'alignement, il manifeste une notion de culpabilité accentuée du fait, qu'on ne se sent pas à la hauteur. Peut-être que certains d'entre vous ne respectez pas le sacré en vous, c'est-à-dire, vos valeurs, vos convictions, vos envies, vos désirs. Et évidemment, vous êtes hyper émotif. Et c'est à ce moment-là que naît une attitude tendue envers les autres, avec des rapports, de force plus que de force, inévitable. Pour certains d'entre vous, vous vous placez soit au-dessus, soit en dessous de l'autre. Mais il y a une solution à tout cela. Déjà, prendre conscience est la moitié du chemin qui a été parcouru. Prendre conscience de votre valeur intérieure infinie, en comprenant que tout simplement vous êtes égal aux autres, en veillant bien à ne pas nourrir évidemment votre ego outre mesure, n'est-ce pas? C'est pas le but, c'est faire équilibrer votre ego, Se respecter pour être respecté. Alors, comme tout le monde, n'est-ce pas? Tu possèdes des limites qu'il ne faut pas dépasser. Au risque, tu craqueras. Toutes les fois où tu as pensé à une chose et dit son contraire, par peur d'être ridicule peut-être, ou de décevoir, par peur d'être impoli, etc.
tu ne t'es pas respecté. À cause de tes peurs, peur de mal faire. Toutes les fois où tu n'as pas écouté, eh bien, tes valeurs, tes convictions profondes, ton corps, tes envies et tes désirs, tu t'es fait du tort. Tu sais, la personne la plus importante de ta vie, c'est pas les autres. C'est pas ton enfant, c'est pas ton mari, ton conjoint. C'est toi-même. Chaque fois que ton cœur est blessé et que tu n'en fais pas cas, tu ne te respectes pas. Et ça, c'est grave. Alors ici, je t'invite à cesser de repousser tes limites et apprends à dire stop. N'oublie jamais que si tu ne respectes pas les autres, ne te respecte pas davantage. Si tu ne te respectes pas, les autres ne vont pas te respecter. Alors, aujourd'hui, commence donc par t'apporter à toi-même le respect que tu attends des autres. Et ta réalité changera. C'est comme t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que les autres t'aiment ? Comment veux-tu aimer les autres ? Aujourd'hui, tu mets en lumière cette partie sombre qui est en toi. Donc, tu vas te respecter et tu vas respecter les autres et tu vas voir que tout va changer à partir du moment où tu vas t'autoriser à être toi. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Alors, je vais terminer par ne plus avoir peur. J'arrête de m'identifier complètement à mes actes. Je ne suis pas ce que je fais. La peur d'agir est souvent liée à la peur d'échouer. L'échec fait partie de la vie. Il concerne toujours une situation précise et non la totalité de notre être. Mais évidemment, nous avons besoin des échecs pour avancer. Et ce n'est pas un échec proprement dit. Nous avons appris de cet échec. Donc, on apprend. Et je trouve que ça a une belle résonance avec cette carte « Se respecter pour être respecté ». Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien moi, qu'est-ce que je vous fais? Je vous embrasse. Allez, à demain. Passez une belle journée.